Lors de leur visite officielle en France, le roi Charles III et la reine Camilla ont pu compter sur la présence d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Selon The Telegraph, la reine et la première dame ont fait preuve d'une grande complicité. Alors que la première visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla, initialement prévue au mois de mars, avait dû être reportée à cause d'un climat social défavorable, elle s'est finalement déroulée à merveille lors de leur venue du 20 au 22 septembre dernier. Le souverain de 74 ans et sa compagne ont en effet pu profiter d'une cérémonie sur les Champs-Élysées, d'un dîner à Versailles ou encore des vins produits en région bordelaise. Tout au long de leur déplacement, le couple royal a également pu compter sur l'hospitalité d'Emmanuel et de Brigitte Macron. À tel point que la reine Camilla et la première dame ont développé une certaine complicité. Comme l'a indiqué The Telegraph, ce vendredi 22 septembre, la reine Camilla aurait particulièrement apprécié les moments passés avec Brigitte Macron. Lors d'une discussion à la mairie de Saint-Denis avec des victimes de violences domestiques, l'épouse du roi Charles III a inspecté la salle afin de retrouver son acolyte. Un brin perdu au milieu de la foule, celle qui a pris le tramway à Bordeaux a vite été rassurée en retrouvant la compagne d'Emmanuel Macron. « Oh, la voilà !» a-t-elle déclaré, avant de murmurer « Vous êtes juste derrière moi, comme d'habitude. » plus grand que photo, Charles III et Camilla en France, les moments forts de leur visite d'État Camilla et Brigitte Macron, ce match de ping-pong qui a ravi les observateurs en plus de leurs multiples gestes d'amitié, Camilla et Brigitte Macron ont également prouvé leur complicité lors d'un match de ping-pong en trois points. En effet, après avoir échangé quelques balles avec Priscilla Pavade, une pongiste professionnelle de 19 ans, la reine a invité son hôte à la rejoindre. Un match au sommet que BFM TV avait diffusé, ce jeudi 21 septembre. Après seulement quelques minutes, Brigitte Macron a remporté la partie en s'imposant sur le score de 3 à 2. Une véritable performance si l'on en croit les révélations de Priscilla Pavade au micro de BFM TV. Elle a déjà tenu une raquette, elle a déjà joué, ça se voit, avait analysé la jeune pongiste en parlant de Camilla. Point. J-A-C-O-V-I-D-E-S-M-O-R-E-A-U.